Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, The Trial of Friendship and Madness. Vous en faites pas, on va y arriver, on va le finir un jour ce jeu, je le sais. Ouais, j'ai un truc bizarre avec la sensibilité. Est-ce que j'ai joué à un jeu récemment avec une sensibilité super élevée? Bonne question. Alors. Au lieu de faire tout remplir, je vais essayer un truc tout con. Genre, en fait. Tout bêtement, je vais genre faire ça. Je t'en mets un là. Je t'en mets un genre là. Puis celui du bas, j'essaie de le mettre de façon. Voilà, parfait. C'est tout, il n'y a pas besoin de plus parce qu'il est détruit le machin. On tombe. Oui. Bouf. Juste. On va changer de monde. Très bizarre. D'accord, le sol est là. Hop. Comme ça. Hop. Et vas-y, monte, du con. Hop. 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 Ça passe. Et que boss, hein? Et donc je vais aller. On y va! Hop! Oui! Et voilà! Voilà, chopé. Ensuite, c'est par où? Qu'est-ce que c'est? Oui! Pouf. Je retombe ici. Alors, le truc des pieds, des boîtes, je l'avoue. Je suis allé quand même regarder un petit peu un let's play pour voir ce qu'il fallait faire. Et en fait, j'ai été très con parce que il y a des trucs là, tout simplement. Bon, par contre, faut faire très attention parce que ces trucs-là se cassent. Hein. Et c'est mon seul moyen d'arriver jusqu'à la fin. Donc, il faut que je fasse gaffe à ce que ces trucs-là ne se... Merde. Ne se cassent pas. Parce que si... Mais vas-y, monte, connard. Voilà. Parce que si je les casse, on n'est pas dans la merde. Hein. Et en plus, on peut pas vraiment courir avec. Je me demande si ces trucs-là passent le petit bidule. Ou si je suis obligé de descendre par là. On va voir. Hein. Est-ce que vous passez ça? Non. Non, non, clairement pas. Donc je suis obligé de descendre par là. Donc ça va être bien chiant. Parce que du coup, il faut que je descende sans les casser. C'est bon. Deux. Non ! F9. F5. On va faire plein de F5, comme ça on est sûr. F5. Non! Alors, F5 ici, hein, parce que on l'a vu, j'ai fait un petit peu de la merde avec mon F5. C'est bon!
Point, point. Non mais pourquoi tu l'as cassé du con? T'es con ou quoi? Je t'ai pas demandé de sauter dessus. Merde. Du coup il est trop haut. Une seconde mais je suis con. Mais ouais, mais je suis con. Je suis con, pourquoi je m'emmerde à faire ça? J'ai un téléporteur. Je pense que je peux me téléporter avec un objet. Hein? Viens avec moi, toi. Quoique, au bol, on laisse celui-ci ici. Ok. On va aller voir avec l'autre, parce que j'en ai deux, du coup. Wouhouhouhou! Ouf. Alors, hop. Oui, c'est con d'avoir utilisé une solution, c'est pas avoir trouvé la solution moi-même. Mais on y était vraiment pour une éternité, hein, si je cherchais moi-même. Et bon, les vidéos à rallonge juste pour un level. Ça commence vraiment vite faire beaucoup, là, à l'heure actuelle. Hop. Et bon. Voilà. Donc on a ça là. Attends une seconde. Parce que du coup... Ouais, ça ne me mène pas à la plateforme. Parfait. Là, ça m'y mène. Je fais très attention. Hey. Hey. Alors on va voir si ça téléporte avec. La réponse. Non. Fuck. Donc je suis bel et bien forcé. De réussir à faire passer le machin. Mais il va me falloir une caisse ou quelque chose dans le genre en fait. Ça passera jamais sinon. Ouais, c'est ce qu'il va falloir. Je prends cette caisse. Et on la sort. Hop. C'est bon. Ça. Non, j'ai pas la quick save compulsive, c'est pas vrai. Parce que... Ouais, non, je suis beaucoup trop bas, puis ces trucs sont super lourds. Tu restes là. Toi, je te pose ici. F5. Voilà. Hop. Non ! C'est bon. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. On est OK.
Non, reste là. Reste là, toi. Là. Si. F5. Hop. Non. 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 F5. Non. Non. F9. Hop, hop. Oui, peut-être. Non. F9. Non. Allez, vas-y. Non. Tu restes là-haut. Non, reste là-haut. Reste là. Oh. F9. Mais tu me fais chier. F9. Non. Ah. Viens ici. Voilà. Tu vois quand tu veux. Ensuite, toi là, F5. Hop, hop. Tu restes là. Parfait. On est bon. F5. Histoire de pas tomber sur la truc, hein. Parce que... Sinon, ça aurait pas été marrant. Non! F9. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Mais tu me fais chier! F5. F9. Essaye un truc. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Imaginons. D'accord. On y va à Louis en fait. C'est ouvert. Oh! C'était tout con. On est bon. Fallait juste y aller vite en fait. Ça servait à rien de venir ici. Le jeu? Le jeu! C'est pas pour te dire que tu m'as bloqué, mais tu m'as bloqué le jeu. Tu veux que je fasse quoi là? Y'a pas de truc invisible, y'a rien. Je suis bloqué. Je vais jamais pouvoir faire quoi que ce soit, toi. Donc peut-être. Hop. Peut-être. C'est pas du tout dit. Hop. Ah là, peut-être, à la limite. Non, clairement pas. Hop. Tu veux que je fasse quoi le jeu là?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu de moi? Parce que je sais pas si tu te rends compte, c'est genre pas possible ce que tu me demandes là. Non mais c'est trop loin en fait, c'est trop loin, ça marchera pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse le jeu? Mais attends. Hop. Ah mais attends. Mais oui, la voilà l'idée. Hop. Il faut juste mettre là, 1, 2, et bam! Non, ça marche pas! Putain, mais je fais quoi là le jeu? Qu'est-ce que tu imagines que je vais faire là? Y'a rien! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment il veut que je sorte de là? Mais t'es starbé le jeu là? Attendez, y'a une logique dans le jeu que j'ai pas compris, c'est pas possible. Ce qu'il faudrait, c'est que je trouve un moyen d'utiliser le mur là. Genre, donner un angle. C'est clairement pas ce que je veux faire. Donc, ce qu'il faudrait, c'est genre que j'ai un moyen de me mettre dans un angle genre à plat en fait, alors comme ça, voilà, tout simplement, voilà. Putain de merde. Oh, c'est tellement de la daube ça. Ouh, on est bon, on a fini ce level. Oui. C'est bon. Prochain level, niveau 15 sur 16. On a quasiment fini le jeu, les gars. Quasiment fini le jeu. Putain. We spent our lives for years this way. My friend and his mad triangular world. Whereas I led a restless life as a guardian. I only found certainty in the daily visits to the temple to watch him, every single day. Until he was no longer visible in the portal. And after all these decades, I forgot almost everything. Hors du temps et de l'espace.
bien ici, toi. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Quoi ? Tu grandes. Quoi ? Ce truc obéit à ma physique ? C'est très chelou quand même, système. Bah, c'est pas bien compliqué en fait. Parce qu'il faut juste que je lui dise, ben bah, vas-y, tombe là. Tout simplement en fait. Voilà, tu vas là. Là. Mets-toi à plat, connard. Merci. Non, reste à plat. Tout simplement. Voilà. Comme ça, au moment où moi, je change la gravité pour que... Là, il va tomber. Ok, on est bon. À peu près. Alors tombe. Je reste à plat. Parfait. Voilà. Ça va pas me faire chier très longtemps. Hein. Compliqué. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, lui il va être attiré en bas, puis on est bon. Mais pourquoi tu me pousses la gravité, pourquoi tu me pousses? Pourquoi tu me fais faire n'importe quoi? J'étais au bord, hein. What the fuck? Attends. F5. Hop. Mais pourquoi tu me pousses? Arrête de me pousser, jeu. Mais il me pousse vers le centre de la salle, ce con. Attendez. Hop, hop. Tu me fais chier, jeu, là. Ne me pousse pas. Ah, mais attends. Je peux l'empêcher de me pousser. Vas-y, viens. Viens, essaye de me pousser, maintenant. Hein? Tu vas voir, ça va être compliqué, ça. Hein? Vas-y, pousse-moi, maintenant. Connard. On est bon. C'est passé. C'est passé. C'est passé. Ouais, bah je cours, hein. What the fuck? What the... bah bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de... Super Mario Galaxy. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce rayon? D'accord, c'est clairement Mario Galaxy, là. On a changé de jeu, on est dans Mario Galaxy. Enchanté. Oui. Poup. Avec des geysers et tout le bordel. Oh, c'est trop cool. Y'a quoi dans ce trou? Wow. Wow! Yubi! Ah, j'ai eu du bol. Oh, c'est trippy cet endroit. Alors, j'ai même pas compris l'utilité de la zone où j'étais tombé. Hein. Genre, vraiment. Pourquoi il y a autant de squelettes de renards? Sérieux? Je croyais qu'ils étaient que deux au départ. Alors, avec le champ de vision 120 degrés,
Je me rends compte à quel point cet endroit est vraiment putain de trippy. Oui. Par contre, j'avais vu dans une vidéo, il y a un mec qui appuyait sur des boutons, enfin sur un bouton, et ça lui affichait l'endroit où sont les trucs. C'est quoi ce bouton dont on ne m'a jamais averti de tout le jeu? C'est le bouton H, on m'en a jamais parlé, je. Là, il y a un truc là-bas. Ok, bah, j'y vais comme ça. Oui! Yip. Je trouve le bon trou, c'est ça? D'accord, ça doit être de l'autre côté alors. Mais elle a l'air toute petite la planète avec le champ de vision. Wouhou! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ah! Ah! Ta! Ta! Ah! Non, stop! Ah! Arrête ça, la gravité! Gravité! Oh bordel de merde! F9. On va peut-être faire. Attends. Non! 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 Putain. Il y a une boucle de gravité au milieu de la planète là, c'est. Très bizarre. Ah oui, s'il te plaît. Hein. Crée-le. Hop. Hop. Je vais réussir à faire quelque chose. Oh putain, F9. Tellement la merde. Attends, on va faire un truc. Genre là, hop, comme ça. Ensuite, il nous faut... Il nous faut de quoi aller sur le mur en fait. Là, comme ça, on peut tout détruire. Voilà. Puis maintenant, on peut aller chercher la statue. Tant que la gravité nous dise fuck you. Alors là, il va falloir la choper en plein vol. Oui. What the... What? Ah. Ok, bon, bah, hop. Ça, j'imagine. Voilà, parfait. Ensuite, là. Pardon, ça va être tellement la merde, mais j'ai une petite idée. Si je me mets au-dessus et que je tire en l'air. Voilà. Ici. À moi. C'est d'où que je viens par contre, c'est par ici? Non, c'est pas par là que je viens. Wow, ça va. J'ai rien pu faire, c'est instant sortie. Ok. Bon, les prochaines. Ouais, un truc qui brille là. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être le noyau de la planète. Alors, prochaine statue, où es-tu? Vous êtes là-bas. Ok, bon bah j'arrive. Déactive-moi ça. Merci. Alors il y en a un sur cette planète d'où je viens. Vraiment? Oh putain, là ça y est, je suis perdu. La gravité a changé donc je suis totalement perdu. Alors il y en a. The old gods wanted to create whole planets. As you can see, they lost interest much too early. Everything is much too small and nobody wants to live here. Ah oui, qui voudrait habiter sur une planète qui tourne sans que quoi que ce soit sur cette planète tourne. Mais non, en fait, la planète tourne pas, c'est ses textures qui tournent. La planète, elle reste sur place. Non, en effet, ils ont fait du sale boulot, hein, les mecs. Arrête-moi ça.
Alors, il semblerait... semblerait que là, il y a un art. Ou c'est trop ça. Oui, là il y a un art. Ok. Bizarre. Hop, hop. D'accord, donc là je fais le tour de la planète. Et vous avez des envies de vomir, je crois que c'est normal. Si vous n'avez pas envie de vomir, c'est très bien, vous êtes comme moi. Wouhou ! Donc d'après le jeu, juste ici, il y a un art. Allons voir ça. Hop, hop. Bonheur. What the... En effet, il y a un art. Comment je l'atteins, par contre, ça c'est la question. Hein. Hmm. Ah, putain, que fait chier, jeu. Quoi? Où suis-je? Monsieur. Un pont de lumière? What the fuck? Est-ce que du coup je peux... Non. Attends. Voyons voir. Si je fais ça. Hop. Hop. Non. Oh génial! Encore une nouvelle mécanique. Putain, calmez-vous les mecs! Ça sert à quoi? À déplacer la caisse, c'est ça? Ça sert à remettre la caisse ici. Bon, c'est réellement de la lumière par contre. Donc je ne peux pas espérer. En faire grand chose. Et vas-y. Là, ça touche. Oh, ça va être compliqué d'utiliser ce pont. Alors, je vais régler le pont hors vidéo. Puis, on se revoit après. Allez, bye bye.